Ouais. Ah, ouais, c'est important. Ah, il est précis, il est précis. Je suis un fan. T'es un fan ? Sur la porte de mon bureau, j'ai repris une phrase de Desproges. Oui. Qui dit. Elle dit. Monsieur Philippe Martinez. Jour, j'irai vivre en théorie, parce qu'en théorie tout va bien. Ouais, pas mal. Ouais. Médite là-dessus. Un jour, j'irai vivre en théorie, parce qu'en théorie tout va bien. Bon, maintenant, je te fais lire alors. Vas-y, alors. Allô ? Oui, mais non, je sais lire. Y a quelqu'un ? En plus, c'est en gros. C'est en gros, hein ? Interprète. T'as pas à mettre tes lunettes. D'accord. Vas-y, tourne. Alors l'autre, j'ai refait celui de 2010, sous Sarkozy, c'était le même, en 2010, qui a fait le tour du monde par Reuters, pour les retraites sous Sarkozy, devant le Sénat. Mais tu es célèbre dans le monde entier, je vois ta photo dans tous les journaux. Ouais, mais on s'en fout, j'ai pas les figures. C'est pourquoi, Philippe ? Plus que moi, d'ailleurs. C'est pourquoi j'ai pas les figures ? Il manque la moustache. Parce qu'en fait, on est tous dans le même bateau depuis des siècles et des siècles, on se fait laminer par tous ceux qui nous dirigent. Tu le sais. Donc la lutte est éternelle, parce qu'on n'aura jamais assez de... Je suis convaincu, mon gars. Bah voilà. Bon, alors bravo pour l'unité en tout cas. C'est grâce à cette unité-là qu'on peut gagner. Donc on lâche rien, tous ensemble. Bravo, merci Philippe. Mais non, j'en ai aussi avec Philippe déjà, j'en ai déjà. Tiens, Jean-Claude, monsieur Jean-Claude. Et il tourne dans la rue. Voilà. Jean-Baptiste Rédé avec monsieur Martinez. Avec Philippe pour la lutte. Allez. Merci Philippe. Je t'en prie, merci à bientôt. Ta gentillesse. À gagner. Bonne journée. Bonjour. C'est monsieur Jean-Baptiste Rédé. Les pancartes XXL. Et toujours dans la lutte. Je sais. Bah Jean-Claude ? Je sais. Bravo jeune homme. Ah, dis. C'est un modèle hein, pour nous. Ouais. Mais vous aussi, vous êtes un modèle pour t'inquiète, nous. T'inquiète, toi aussi, ma chérie. Vous adore. Jean-Baptiste Redé, R-E-D-D-E, hashtag Voltian, l'artiste. Avec les pancartes XXL. Les alpinistes, là. Hein ? Avec la corde. Oh. À plus tard. À plus tard, ça marche. Il y a concours. Ah, le tout brière pour les retraites et les salaires, pour un avenir sans crise ni guerre. Vive les luttes des travailleurs. La grève, c'est aux travailleurs de la contrôler démocratiquement jusqu'au bout, le tout brière. Bonne journée. Salut à toi. À bientôt. On est samedi le 11 février 2023. Il est environ, on peut dire à peu près 12h45. Et là, on vient de rencontrer monsieur Jean-Baptiste Rédé, l'artiste hashtag Voltuan, V-O-L-T-U-N, qui a dialogué avec monsieur le secrétaire général, je pense, de la CGT, monsieur Martinez. Excuse-moi, tu peux tenir ma caméra comme ça deux secondes, bon. Je vais mettre mon... Ah. Pour que je puisse mettre mon... Avec un bel angle. Voilà. Oui. Super bon. Ah oui, super. Voilà. Une belle merci, vue. Hein. Merci infiniment. De 30 cm de plus. Ouais. Ah bah oui, ça aide tout le temps. Bonne journée. Hein. On voulait pas lui faire mal. Ah là là. Là-bas à droite, au 50 boulevard Voltaire, c'est le Bataclan. Bonne journée. À plus tard. Ok.
Ok. Bonne chance, faites attention à vous. Ah, ça avance un peu. Comment ça va, mon Lido? À vos souhaits. À vos amours. Ah, ah, je vais m'arrêter là. Oh my god! Alors, je viens d'assister à un échange entre M. Bolthuam, l'artiste Jean-Baptiste René, avec M. Martinez. Ah, c'est donc Martinez, c'est ici mes yeux. Ah, d'accord, super! Là, j'arrive, je reviens de quelque part. Tu es remise un peu de... Un gros rhume, là, aujourd'hui. Ouais, ouais, okay. Bon, ben, je suis contente de te voir. Ah, ben, moi, ça, c'est... Ben, oui! Je ne sais pas pourquoi tu es contente de te voir. Je suis comme ça, là. Ouais. Parce que là, je suis aujourd'hui. Mais toi, tu vas toujours? Ah, oui, oui. Ah, oui. Les gilets jaunes, aujourd'hui, je suis là. OK. Mais ça, c'est un peu parti dans la rue. À mon avis, c'est ça. Non, moi, j'arrive de ce côté-là. D'habitude, ils sont... C'est bourré de policiers dans les rues. Non, là, il faut pas qu'elle soit, il faut s'éparpiller. Il y a tous les dangers. Oui. Non, non. C'est pas ça, mais je vais débarrasser les trois. Avec tout le monde, j'arrête de dire. Selon ce qui se passe, selon ce que j'ai vu mardi dernier, c'est tout pour ça. Il faisait des paroles. Il faisait des paroles très grandes. Et il y avait plus de gens devant que derrière. En tout cas, on m'encourage à y retourner, c'est ça le tout. Mais moi, je suis pas fait. Ah ben, Puis en plus, j'ai mal au dos et tout. Ah, mais c'est ça. Mais je viens quand même, justement, ça me fait du bien. Mais ben moi, ça me fait du bien moralement que je viens, mais je ne suis sûre que c'est pas si bon. Bah, si tu n'as pas envie, si tu n'as pas envie. Ben non, non, mais ça m'encourage à retourner. Mais bon, une personne comme toi. On n'est pas nombreux, mais on est toujours les mêmes, quoi. Le groupe qui tient, c'est toujours les mêmes. Tu es retourné. Ben, aujourd'hui, on est samedi. Ben, bon samedi. Samedi prochain, voilà, c'est une décoration, donc je pense que... Ah oui, ok, d'accord. Ben, je vais t'inviter. Parce que tant qu'il y a les manifestations syndicales, on aura besoin aux manifestations syndicales. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas une tête de chine. Ah oui, oui, oui. Mais je pense que... Ah ben, il y a bien l'impression que c'est un peu de... Non, mais aujourd'hui, ça va, il y en a partout. Non, non. Ah oui, oui. Mais non, il y en a plein de reporters en ce moment. Non, non, c'est toujours... leur petit téléphone. Il y a une fille qui s'appelle Mrs. Norwich. Je ne sais pas. Non. Elle est grande fille. Je crois qu'elle a un petit accent genre anglais, un truc comme ça. Voilà. Puis elle, tu veux dire, si ça croise, je veux lui dire que c'est croisé. Oui, non, mais c'est pour que tu la revois parce qu'elle, elle filme systématiquement. Hein. Non, elle doit être là. Ouais, mais moi c'est compliqué. Ah ouais, tandis qu'elle a fait du live. Moi, je filme, après ça, je mets ça. Là, j'essaie de faire, regarde, là, ça fait 8 minutes et 23, là, 24. Ouais. Et là, je vais filmer durant... Au bout de 30 minutes, ça s'arrête. Je vais peut-être... Fait que je sais pas combien de temps. On est tous là. Ouais, franchement... En tout cas, moi j'aime bien ton rêve, c'est Bibi. Oui, oui. C'est Bibi. Gilets jaunes. Bravo les gilets jaunes. D'ailleurs, c'est dans mon sac. Je vais attendre qu'il y en ait un peu plus. J'ai pas envie de me prendre la main. Oh non. Attends. Ils nous aiment pas. Hein. Ils nous aiment pas, évidemment. Oui, non. Moi, je me mets plus de lui quand on parle de la même façon. Il n'y a personne qui a... Oui, je la connais. Elle est justement elle, en fait, une qui arrive. Elle a dit hier soir que Florence Benoît, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit justement que, selon elle, le mouvement des gilets jaunes va reprendre. C'est comme ça, c'est un de ces choses. Oui, mais il n'a jamais disparu. C'est pour ça qu'on y va. C'est ben elle, j'ai confiance en Florence. Ouais. Ou Benoît, c'est pour ça qu'en fait, on le maintient. Tu vois, dans l'espoir. Tu vois,
elle parlait, non? Parce qu'on ferait ça quand on est arrivé, on est tombé sur elle, à un moment donné. Ben, hier soir, non, Florence, j'avais fait des reportages pas sur un bateau, pas sur moi. Oui, c'est tout, oui. Oui. Non, non, elle, mais elle s'est engagée comme salariée. Elle, c'est une vraie journaliste. Oui, oui. Elle travaille au journal Le Monde. J'en parle un peu parce que je l'aime bien. Elle s'était engagée comme journaliste, comme comme salariée, etc., pour faire un reportage. Voilà, c'est... Oh my God! Oui, ben, salut, toi! My dear! Ah! Alors? Hey, il dit my dear, hein, mais ça fait un bail qu'on l'a pas vu. Pas bien anglais. Mais elle boude les gilets jaunes. Mais non, elle nous boude. Hey, pour une Québécoise, elle habille comme au pays. Hein. Ben ouais, ben tu sais, fait moins 40 là-bas. Hey, c'est ça, il fait moins 40. C'est horrible ce qui se passe au Québec, là. au Canada. Hey, t'es bien contente d'être à Paris, hein. À temps pourri. Il fait plus chaud, hein. Ouais, c'est crachat, mais au moins... Ouais, c'est moins... Ben c'est parce que là-bas, on est obligé de mettre des bottes d'hiver tout l'accoutrement. Puis ici, c'est combien en ce moment à Québec? Il faut moins 40. Ben, on va voir sur la météo, mais avec le facteur humidité, puis, en tout cas l'hiver apparemment qu'ils ne parlent pas de facteur d'humidité, ils parlent de facteur de froid, mais en tout cas, pour moi c'est les deux mélangés. Oui. Il fait moins 40, moins 43. J'étais pas. Et l'autre jour au carnaval de Québec, ils ont annulé la parade parce que c'était trop froid. Oui. Ça avait comme un record de froid. Et puis à la Saint-Jean, je fais moins 50. Quoi. Il est bien le réchauffement. Moins 50, hein. Dans le joueur. Je fais moins 50. Moi, je ne suis pas contre le réchauffement puisque je m'ennuie de l'hiver. Ah, il y a une belle pancarte. Pas de fric pour les retraités, mais 413 milliards pour le. Ouais. Ah, je te dis pas. Pour l'armée. Bon, attention, je vais mettre mon gilet jaune. Hein. Si on m'attaque, défilez-moi. Bravo, félicitations. Ben oui, mais car moi, je ne veux pas marcher à l'hôpital. Hein. Fais attention, tu vas te retrouver avec Pierre Palmade à l'hôpital. Ah, t'es brave. Ah ben, vous avez raison, hein. Entièrement raison. Allez, bonne marche, à plus tard. On va l'encourager quand même. Quand je fais, je ne peux pas prendre de photos. Oui, mais après tu filmes, tu peux découper, non? C'est ça? Ben, il y a des fois, oui, mais je préfère pas parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'heures. Ça prend du temps à découper. Puis refaire une vidéo, là, ça prend beaucoup de temps. Hein. Mais, ah non, je peux extirper. C'est une bonne caméra, je peux extirper. Oui. Je fais des pauses par là-dessus. Moi, là, je vais prendre ton dos. Non, non, je sais bien. Mais moi... Ouais, à lui, là, toi, t'as du jaune ici, là, visible, là. Fais attention à toi, mouille, toi. Moi, je me mouille pas. Je me mouille pas, c'est quoi déjà qui est Daniel. Daniel, c'est Daniel. Daniel gilet jaune. Très fier de l'être aussi. Et puis Bibi gilet jaune, très fier aussi de l'être. Ouais. Non, mais ce serait bien que tu viennes au moins une fois, quoi, la semaine prochaine, par exemple. La semaine prochaine, je vais tenter d'y aller. Et là, j'ai un rhume. Je crois que les syndicats ont prévu d'autres dates encore. Oui, il y a le jeudi, il y a jeudi 16. Il y a jeudi. Jeudi 16, il y a une manif. Et déjà au mois de mars, hein. Ouais. Le 7 mars. Ah ouais, ben moi, je vais tenter d'y aller. Il y a déjà des choses dans l'organigramme. Il y a déjà des dates de prévu. On va la prendre, ta belle pancarte. Bon, retraite Macron, c'est non. Yeah! Message entendu. Dans les slogans, il y a rien. Je trouve ça tellement doux. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Non, mais c'est très bien quand même. Hein. C'est clair et net. Hein. Retraite Macron, c'est non. Moi, je mettrais une retraite tête de con. Retraite tête de con. Ouais, parce qu'on n'est pas assez radicaux, quoi. On est trop doux. Ah oui, c'est la... Ok, la France insoumise, oui. Non, à la retraite... Je suis pas encarté là-bas, c'est juste pour le... Oh, c'est pas grave. J'ai même pas mis ton visage. J'ai pris juste la pancarte, puis ça. Fais attention à toi. Liberté. Non, mais regarde ce qu'il a, lui. Regarde ce qu'il a en plus, regarde. Ça, c'est une marque, ça. Ça aussi. Regarde ce qu'il a ici. Oh, je sais. Ah, d'accord. Oh, c'est verso, ça. En principe, c'est verso, ça, non? Dos à dos. Ouais, le verso, dos à dos. C'est Gémeaux, verso. J'en sais rien. Les signes, c'est Gémeaux, ici. Ah, ça se fait, c'est Gémeaux, ouais. C'est Gémeaux, il semble. C'est Gémeaux, bah oui, les deux faces, c'est ça qui se fait. Moi, je me trompe jamais de genre. Moi, je suis allé devant. Moi, je suis déjà bien dans tout.
Je vais vous laisser parce que je vais aller devant le Bataclan, je vais tourner un peu. Oui, oui, de toute façon, passez là-bas. Je l'aime, j'avais tout fait. Tiens, carrément. Faites attention à vous autres. Non, mais les gilets jaunes, je ne peux pas tout mettre devant parce que c'est la merde. Là. Mais ils vont se mettre. Ouais, ouais, avec plaisir. Daniel, là, j'ai pas la mémoire de prénom. En même façon. Oh, regarde, c'est Evelyne. Vous savez dire bonjour à Evelyne. Ok, à plus tard, vous autres. Je ne veux plus de. Ouais, voilà, bah ouais. T'as entendu crier? Yeah! Comment la belle? T'as pas été gelée au Québec? Non, non, j'ai été gelée plutôt en Angleterre. Ah ouais? Ah, ça a raté un rhume. Ah bon? Ça va, vous autres? Oui! Là, je viens de passer, tu vois, il y a Bibi et il y a Daniel. Juste là, là. Ouais. Bibi, elle vient de mettre son gilet jaune. Moi, j'ai conseillé de ne pas mettre son gilet jaune, en tout cas. Mais où est-ce qu'il est, ton copain? Il est là-bas avec... Ben le voilà. Hey! Salut, ça va? Salut, ouais, toi? J'ai vu quelques gilets jaunes, dont tout près d'ici, là. Ouais. Tu vas voir, il me semble, gilets jaunes. Ok, le petit casque, là, c'est Bibi qui s'appelle Bibi. Puis à côté, il vient de mettre son gilet jaune. Puis à côté, il y a son copain, Daniel. Ouais. En tout cas, félicitations, là. Moi, je. Et puis là, tout à l'heure, j'ai enregistré un échange, un dialogue entre votre plan, le pancarte XXL, Jean-Baptiste Sadi, avec monsieur Philippe Bartelon. Ah, c'était très bien. En tout cas, je te dis à bientôt, à plus tard, moi je vais aller devant le Bataclan, où il y a les voitures de police. Ouais. Ça va commencer bientôt, je pense. Hein? Ben moi, ils avaient dit 13 heures, mais pour ça, il y a des gens, ils ont dit 13 heures d'un côté, des fois 14 heures de l'autre. Ouais, j'ai vu sur hier sur la CGT, c'est un départ à 13 heures de la place de la République, on a rien compris. Ah, gilet jaune. Hey, bonne journée, bonne manif, bonne chance, à bientôt. Bonne manif, bonne chance, à bientôt. J'ai en tête tout mon message. Ah, il fait froid quand même. Ah oui, très très froid. Ouais, je sais. Ouais, parce que mal. Ouais, la boîte, c'est obligé de mettre des boîtes, et ici, je te reste toute l'année à l'espace. Il y a des boîtes qui rentrent. Ah, ils ont même annulé la première carrière du carnaval de l'année. La carrière de l'année, ils ont annulé parce que c'était plus froid. C'est la vie, c'est comme ça. Ouais. Bon, à plus tard, arrête, on a ton gilet jaune. Ah oui, mais c'est en mieux. Attention, j'ai le rhume. Oh, attention, mal. Attention, j'ai le rhume. Je l'attrape pas. Ça va? Attention, j'ai le... Oh, my God! Oh là. Je l'ai donné à quelqu'un l'autre jour. J'en ai donné. Ça fait, va, vous? Ça fait longtemps. Gilbert. Si tu me dis pas... Si tu me dis vous, je te dis plus bonjour. Salut okay, la... Ça, oui, salut ça va, la, toi? La, salut la... J'ai peur, hein, il me fait la, peur, la, hein. Reine, la reine du Canada. Oui, oui, peut-être, oui, oui. Ben oui, il y a une reine aussi au carnaval d'hiver de Québec. Ben oui, et puis comment, en ce moment, comment... il y a le carnaval d'hiver de Québec. La reine et puis il y a la reine. C'est pour ça, si on veut couper une tête, les Français. Donc, et ben, ils vont couper la mienne. Il n'y a pas de souci, tu peux. Je te permets, pour te défouler. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Oui, j'ai plus le goût d'y aller. C'est trop, salut. C'est dur. Salut. Non, tu me fais toute jeune. Non, non, non. Ça ne se fait pas de demander. Je suis jeune que toi, mais pas beaucoup. C'est-à-dire 66, ouais, j'en ai 10 de plus, j'en ai 10 de plus. Oui, je savais que tu m'avais dit de venir. Mais moi, je ne le dis pas tout le temps, mais là, je commence à le dire. Oh, oui, oui, de toute façon. Il y a une belle pancarte. La rue ne barre pas en retrait. OK, je te laisse aller parce que ouais, je vais prendre un peu, je te prends ton dos. Macron, tueur d'espoir, buveur de sang. Salut, c'est Fabien? Oui, oui. Fabien, ma femme. Les hommages. Ah, il y a plein de gilets jaunes. Bon, les gilets jaunes ici, bravo les gilets jaunes. C'est pas des gilets jaunes. Je les ai croisés. Allez, bonne manif. On a fait une rencontre. Donc ils sont censés venir. La rue ne battra pas en retraite. Super. À plus tard. Ok. Macron, casseur du siècle. Ah ouais, oui. C'est pas le seul, hein. C'est un des casseurs du siècle. Et c'est pas terminé, hein. Il a pas terminé son travail. Il va aller jusqu'au bout, lui, malheureusement.
Oh, c'est beau ça. AG Interfo en lutte jusqu'au retrait. 20e. 20e, ok. AG Interpro, 20e dans les fleurs. Allez, bonne journée. Merci, bravo. Voltaire 75, justement, on est sur le boulevard Voltaire. Voltaire 75, nos colères, retraite, plus 25%, 60 ans, 37. 5. Salaire plus de moyens. Bonne chance. Merci. J'aurais aimé ça qu'il y ait des petites têtes là. Bonne marche. Question au sens du travail. Elle aime la famille de pas. Elle aime l'Espagne. Grève, blocage, caisse de blocage. Les gilets jaunes te guillotineront. J'ai inventé ça. Parce que j'en avais marre d'entendre. Oh, protégeons nos enfants, soutenons nos aînés. Ça va les gars. Enculé. Enculé. Marie. Tais-toi. J'attends, j'ai le rhume. On va danser un peu, ça va nous. Ah non, je peux pas danser. Déjà, j'ai du mal à marcher. Non, si je danse, je me casse la gueule. On va danser pour toi. Gavage pour les autres. Eh oui. Malheureusement, c'est comme ça. Mais oui. Et j'ai bien l'impression que ça va durer longtemps. Longtemps. Ça va pas s'améliorer. Tout le monde devrait te dire que ici en France, ça va être très bien. Allez. Je suis content. Vous avez dit qu'on veut là-bas? Il faut aller au début, puis on va aller là. Viens, ton tronco, écoutez la fin. Policier CRS. Policier CRS, gendarmes, on se bat pour notre retraite ainsi que pour vos femmes et vos enfants.
baissez vos boucliers, arrêtez de gazer, matraquer. Non à la retraite à 64 ans. C'est quoi déjà ton petit nom, toi? Georgette. 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 Bravo. Ah, mais il y en a un de l'autre côté. Attention, ils arrivent. On doit bosser, travailler et en plus fermer notre gueule. Trimer jusqu'à 64 ans et crever. Non, retraite, 64 ans. À l'automne, c'est préparé. Et à Mel aussi. Ah, salut, ça va? Oui. Attention avec ton gilet jaune, hein, il y a plein de policiers. Mais moi je reviens plus au gilet jaune, je reviens là parce qu'il y a du monde pour les jeux. Ah, ça me fait trop loin, ouais. Il n'y a plus assez de monde. Je viens de Chartres, moi, ça me fait trop loin. Ah, mais je comprends. Je viens quand il y a du monde. Là comme aujourd'hui, ça. En tout cas, si on se voit la prochaine fois, tu vois. Ouais, bonne journée, hein. Moi aussi. Ouais. Mais il y en a qui vont tout ordonner la semaine prochaine. J'ai dit ok, je vais tenter. Ouais, bah ouais. Bon, fais attention à toi, hein. Hein? Fais attention à toi. Ouais, merci toi aussi. À bientôt. Marika. Marika, c'est vrai. Ouais. Marika. Non. Le Bataclan. On va aller prendre le Bataclan en gros. Ah oui. Bataclan.
le Bataclan Paris. En mémoire des victimes assassinées et blessées en ces lieux le 13 novembre 2015.